Sa spiritualité, on en a parlé ce matin, c'est se reconnecter avec soi, en fait. Donc, Mika Onze, oui, d'après l'histoire, d'après ce qui nous est enseigné durant notre formation, Mika Onze, oui, ne trouvait pas. Il disait, mais il manque quelque chose. Il savait qu'il y avait l'énergie, ce qu'on appelle le chi, le ki, le prana. Il savait qu'il y avait cette énergie, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je n'arrive pas à trouver pourquoi, comment ça fonctionne. Et on nous explique, donc on nous enseigne qu'il est parti au Tibet, retrouver des manuscrits anciens. Alors oui, bon, ok, il a appris pas mal de choses, notamment la position des mains, les guérisons de Bouddha. Il s'intéressait aussi aux guérisons par Jésus, parce que c'était un esprit assez complet, dirais-je. Mais il ne trouvait toujours pas, ok, guérison, ok. Mais ça fonctionne comment? Il part dans des monastères, il revient au Japon, il va dans plusieurs monastères, des monastères zen. Donc sur des gens tout à fait passionnants qui parlent de l'énergie, ok, mais toujours cette question, mais comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas le déclic? Donc il décide, au bout de pas mal de temps, de partir pendant 21 jours sur une montagne sacrée, une montagne Kuroyama, donc au Japon. Il décide de s'isoler pendant 21 jours, de jeûner pendant 21 jours, prier, méditer tous les jours. Et on explique qu'il avait une petite... Burn-out, je me suis occupée d'une personne qui était en pleine dépression et ça a pu l'aider à remonter la pente. Je pense qu'elle devait certainement faire autre chose à côté, donc on ne lui dit pas d'arrêter quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça l'a aidé petit à petit à remonter la pente. Et j'insiste beaucoup sur cette humilité parce qu'en fait, pendant notre formation, elle s'étale sur plusieurs années en fait. Les formations en elles-mêmes elles sont relativement rapides, mais il y a toujours un laps de temps. Et nous sommes initiés, nous avons chaque fin de formation.